Mais voici donc au Maroc, n'est-ce pas? Il y a quelque chose là qui m'a... Ouais. Non mais c'est la pause. Est-ce qu'on a donné le temps de la pause? On n'a pas donné. Il y a pas la pause comme ça, c'est pas la pause. C'est la pause ou c'est pas la pause? C'est la pause. La pause. On a posé, n'est-ce pas? Bonsoir au Maroc. Bonsoir. On recommence, n'est-ce pas? Commence. Des questions? Tu disais que il y a un monde de coach, de mentor. Oui. Un peu dans ce genre-là, qui est un outil qui se développe oui. Dans cette temps-ci. Vous suivez là mm-hmm. Suivez. Est-ce que nous, les chrétiens, on doit écouter cela? Voilà. Ça, c'est le vent des coachs de développement personnel. Mais ce qui est curieux, que ça se trouve maintenant au milieu des chrétiens aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a des pasteurs qui sont mis maintenant donnés pour rôle de coach. Mm-hmm. Ou pour, ouais, même sur YouTube, n'importe où, ouais, les pasteurs, cofondateurs de telle ou telle chose, mm-hmm. coach de développement personnel, mm-hmm. mais conférenciers et autres là-bas. Plusieurs casquettes. Oui. Qu'est-ce qui arrive? C'est les dérives. On a dû mélanger les choses de Babylone, de la Grèce, du Rome antique. On a dû mélanger ensemble. C'est de la même façon comme on a mélangé Babylone avec le Rome, mm-hmm. la même façon on a dû mélanger maintenant les choses de la sagesse grecque au milieu des chrétiens. Mm-hmm. Dans le livre de 1 Timothée, pour qu'il dise ça rapidement, on prend l'autre chose. Dans le livre de, non, ça va, ça, suis-moi, suis-moi. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, mm-hmm. mon grand frère a dit à partir du verset 1, il dit que lorsqu'il est venu en Grèce, pour la première fois qu'elle est entrée là-bas, il dit sa parole et la prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs. Je m'en tiens à ce mot-là d'abord. Oui. Donc, le but du développement personnel, c'est des discours persuasifs. Tu as vu cela? Oui. Quand ces discours sont persuasifs, c'est pour te donner de confiance en toi-même. Et ça donne, il y a des différenciations, il y a des différents volets de ces coachs-là. Il y a d'autres personnes qui essaient de prêcher pour que les gens aiment le soi, l'estime du soi. D'autres personnes pour faire pour que quelqu'un se relève, d'autres personnes pour le foyer, ainsi de suite. Si un conseil ne vient pas du Saint-Esprit, tout cela, c'est zéro. Ça, c'est la première chose. Bien plus encore, remarquez bien, si vous prenez les coachs personnels, d'abord, un, l'initiative ne vient pas de Dieu. Mm-hmm. Deux, même s'ils sont chrétiens, même si c'est un pasteur qui a de le faire, c'est une interprétation quoi, biaisée de l'écriture grecque avec les choses de la psychologie qu'on est en train de faire maintenant. On va faire cela, trouver des aspects bibliques pour pouvoir essayer de peindre cela, pour que ça ne soit pas trop grossier. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Mais il est question que le cœur s'affermisse par la grâce et non par la nourriture. Il est question dans les Saintes Écritures de Jésus-Christ de Nazareth, dont le développement personnel. Développement personnel. La Bible déclare que ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses propres voies. D'accord, ma chère sœur? Donc, le développement personnel doit être, on doit s'éloigner de cela. D'accord, parce que ça a la tendance, les gens se concentrent. Vous allez voir dans un truc devant, parce que quelqu'un dit que non, il faut que tu parles maintenant dans la Bible, dans le miroir, tu te regardes toi-même, tu te considères, tu te dis que je ne suis pas n'importe qui, ainsi de suite. C'est pas comme ça là. Mm-hmm. Tu vois, quiconque s'élève sera rabaissé. Et celui qui se rabaisse devant le Seigneur sera élevé. Mm-hmm. D'accord. Si on veut regarder le standard du monde, le développement personnel, c'est une bonne chose pour pouvoir réussir dans ce monde. Mm-hmm. Si on veut regarder le standard de Dieu, le développement personnel, c'est une affront entre l'esprit de grâce et l'esprit de souveraineté de Dieu. Oui. Amen. Des questions? Bon, je continue ma phrase. Oui. Ne reposez pas sur les discours persuasifs qui enseignent la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne fût pas fondée sur la sagesse des hommes. Donc, la foi des chrétiens est fondée sur la puissance de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je n'ai pas de propre force par moi-même. D'accord? Je dépends de quelqu'un. Développement personnel, nous, pour nous, c'est le développement spirituel de Dieu. Oui. Merci. Sur cette question, je te donne le...